asleep in midst the trees, bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goosehugs and rays. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witchers. Et on se retrouve après que l'autre et le poulet là, le poulet géant, il ait ramené le baron dans les profondeurs de ce donjon. Et on va aller le secourir, sauf qu'on peut pas passer. Très bien. Et comment on passe? Vas-y, monte sur le cheval. Saute! Ah bah saute! Mais tu sers à rien là, cheval. Tu n'es pas à bled, tu sers à rien. Bon, par où? Bah du coup, je passe par où, moi, pour monter? C'est très bien. Par là? Par là! Ah ah! Je l'ai trouvé. Ouh, il est en train de se faire bouffer, je crois. Ah, mes boyaux! Rends-moi mon foie! Ah non, pas du tout. Ah bah ouais, il l'a ramené là-haut, il l'a lâché, très bien. Wow, ça insulte. Il a pas... What? Ah ouais, je suis rapide quand même. Vous pouvez pas faire ça depuis le début? Allez. Bah la tête... Oh, je croyais que la tête elle allait tomber, je suis deg. Bon bah on a tué ce poulet géant, hein, le basilic. Rien à voir avec Harry Potter quand même. Alors, je t'ai sauvé la vie. Ouah, le mec il sait même plus où il est. Mais c'est pas lui mon cheval, c'est le noir maintenant. Vous êtes paré. Oui, merci à vous. Ouais, ouais, je me casse. Mais je veux mon cheval noir là. Que vous avez fait pour moi. Je ne l'oublierai jamais. C'est pourquoi je dois partir? Non, non, nous sommes quittes. Vous aussi, vous m'avez aidé. Quand votre gars m'a amené ici. Vous m'avez nourri, soigné, dorloté. Nous voilà quittes. Ne partez pas. Ouais, ce soutien gorge fait en corde. Vous aurez toujours votre coin bien à... Non, non, c'est mort. Il le faut. Des spectres oh. Sont après moi. Ouais, voilà, en même temps, c'est ça. J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir. Ils l'ont sûrement flairé. La chasse sauvage à vos trousses. Bah ouais, c'est pour ça que je peux pas rester, parce que sinon la chasse sauvage, elle va venir. C'est urgent de boucler portes et fenêtres à double tour. Et de ne surtout pas sortir la nuit. Et vous, où comptez-vous aller? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad. Ensuite, aucune idée. Bon, ça veut dire qu'il va falloir aller jusqu'à Novigrad. Bon, déjà, on sait où elle est allée, c'est déjà cool. Et à mon avis, ça va être la suite des quêtes. Qui sont un peu trop élevées à mon niveau, donc je vais pas pouvoir les faire tout de suite. Là-dessus, elle est partie à cheval, en laissant un grand vide. Oh, je dois aller à Novigrad. Il reste une chance pour que Ciri soit toujours à Novigrad. Merci de l'avoir aidée. Ah, c'est un chic type, en fait. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez être pressé. Cela dit, si vous pouviez... Si je peux... Racher le morceau. Je veux libérer Anna. La ramener à la maison. Je veux me battre contre les moires, carrément. Je vous le répète. S'aventurer dans le marais relève du suicide. Ouais, mais j'ai envie d'y aller quand même. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je n'ai plus d'informations sur Ciri à Monnaie. Mais si vous m'accompagnez, je vous promets une coquette prime. Ouais, vous m'avez cache convaincu, allez, hop. Je ne dis pas non à une prime.
Bonne réponse. Je rassemble mes hommes et je pars pour Cutterier. Bon, on s'éparpille un petit peu sur la quête principale, entendez. Mais bon. Ça me va. What the fuck? T'es sérieux là? C'est quoi ce truc? Oh, désolé, j'ai rien vu par contre. Mon dieu, c'est dégueulasse. C'était quoi ça? À vous de me le dire, homme ou bête, les gars l'appellent Uma et prétendent qu'il s'agit d'un monstre. Mais pour hideux qu'il soit, il m'a tout l'air humain. C'est Déa? Non, c'est pas Déa, puisqu'à mon avis, il était déjà là. Il n'a pas l'air d'un monstre. Il n'a pas l'air d'un monstre. Bien que mon médaillon tremble. Ah si, quand même, il a un peu l'air d'un monstre, hein, de rien. Une drôle d'histoire, en vérité. Je l'ai gagné aux cartes. What? Tu joues des monstres aux cartes? Dites-moi plus. The fuck. J'étais mec, il a plus rien à gagner, il s'en bat les couilles de l'argent, alors... À la ville, à la taverne où j'étais, j'ai pris part à une partie de cartes. Le sort me fut très favorable. Main diabolique après l'autre, j'ai plumé ces pauvres bourgeois. L'un d'eux, un marchand, l'a très mal digéré. Il avait misé tout ce qu'il a porté de Skellige. Comme il manifestait l'envie d'une dernière chance, je la lui ai donnée. En fait de mise, il m'a présenté ce phénomène de foire. Je n'en avais cure. Mais baste, me dis-je. Cela donnerait au bougre l'occasion de se refaire. Mais la chance continue à me sourire. Et Uma se retrouva à Perchefreux. Fin de l'histoire. Marrant, non? Ouais, très très drôle. Non mais hilarant, le mec. Vous êtes un vrai baron, maintenant. Vous avez même le bouffon qui va avec le titre. Ouais, bah ouais, mais quelque chose cloche chez ce phénomène. Comment non mais ça, je suis intéressé par ce monstre, en fait. Pour bestial qu'il paraisse, il y a une sagesse, une sagacité dans ses yeux. À moins que je ne me fasse des idées. Avez-vous jamais vu son pareil? Non. Il me paraît bien inoffensif. Ouais, on peut dire ça. Il mange peu, et tant qu'il se tient quoi, il fournit une innocente attraction à Méga. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment le bouffon, adieu, quoi. Bah. Adieu. Puissiez-vous retrouver votre fille? Non, mais d'abord, je veux tuer les moires, moi. Et être le bon père qu'elle mérite. Oh, c'est mignon. Là, il part où? Il part voir sa fille ou au mari? Trouver un bateau faisant route vers Skellige. Et après, retour au marais de Torséchine. Et ça ne fait pas partie de la quête principale. Ah! Bon, on va voir. Au pire, je ferai juste le combat pour vous faire plaisir. Parce que je sais que vous avez envie de me voir combattre les moires, hein. Et sinon, pour Novigrad, c'est niveau 10, et bah c'est bon, je suis au bon niveau. Ah non, niveau 16. Pourquoi niveau 16 alors que... Non mais pourquoi Skellige? Non, parce qu'il y a Yennefer, moi c'est le boucher de Novigrad que je vais aller en fait. Les bûchers, pardon. Pas le boucher, il n'y a pas de boucher à Novigrad. Enfin si, il doit y en avoir un, mais ça n'a rien à voir avec la quête. Il est où le petit bonhomme? Eh, viens là. Viens là, il est où le petit bonhomme? Mais j'ai perdu le petit bonhomme, il n'est pas là. Bon allez, on va faire une petite exception cette fois. Non, bah non. Et on va partir, je sais que c'est pas, bah, c'est pas dans l'histoire, mais bon, pff, voilà, j'ai vraiment envie de la tuer. Donc on va partir pour les marais de Torséchine, et on va aller se battre contre les moires. Tant pis, on va dire que ça fait partie de l'histoire. En un sens, ça fait partie de l'histoire. Hein. Il va pleuvoir. Je suis content.
Il n'est pas déjà en train de pleuvoir en fait. ok, alors. On va aller là et c'est où déjà ah oui, à Cutterier. Effectivement, je m'en rappelle. Donc allons au voyage rapide. C'est parti. Ah, le petit saut. N'importe quoi. Deux marchands ici, on s'en fout complètement. J'ai assez de bouge, j'ai tout ce qu'il me faut. Ouais. On a donné un coup de poing dans le vide, on est tous très heureux. Et le voyage rapide, c'est ici. Non, 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 ne me parle pas, ne me parle pas. Voyage rapide, voilà. C'est par là. Ah, ils ont mis une petite flèche, elle n'y était pas avant la flèche, là, comme ça. C'est très bien. Ah, ils font des trucs intéressants en mise à jour, je suis content. Ou alors, c'est moi qui ne l'avais pas vu avant, mais il me semble pas qu'elle y était. Ok. Où suis-je? Ablette! Viens là, Ablette. J'ai besoin de toi, là. Allez, ah merde, c'est juste ici? Ah bah d'accord, retrouver le baron à Cutterier, j'avais pas vu. Et ouais, je viens de monter, je descends genre comme un prince. What? Qu'est-ce que tu me chantes là? Ah ouais, le baron sanglant, hein. Un vrai cauchemar. Les gens sont devenus fous, ils se sont entretués. Voisins, gamins. Oh non! Esprit de la forêt. Il se venge de ceux qui ont voulu son trépas, en les rendant fous. Oh merde! Geralt, content de vous voir. J'ai du mal à trouver du... C'est le cheval que j'ai sauvé la dernière fois. Je devrais le faire tâter du fouet et les faire aligner, parce que... Monseigneur, c'est aussi ce qu'ils ont dit. À propos de la jument. Est-ce que c'est le mauvais esprit de la forêt? Qui a dit ça? Les chasseurs de sorcières. Ils sont passés il y a peu en route pour le village du Marais. Une donzelle qui cherchait sa mère était avec eux. Ah! Geralt! C'est ta fille! Nous irons sur le champ. Ouais, ouais, on va y aller. Vous avez raison. Entendu. Je sonne le rappel. Qu'est-ce que ça demande des préparations? Rien du tout! Moi j'y vais maintenant! Je vais détruire ces morts. Ah ouais. La calotte de ces morts! Ces miasmes pourrissent la cervelle des paysans. Des moires. Bon bah vas-y, avance un peu. Où vont-ils chercher tout ça? Les moires existent. Vous le saurez bien assez vous. Bon, voyons. Sûrement quelques vieilles toupies qui ont ramolli la cervelle de ces gueux. Non, 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 moi je les ai vues. Peut-être pas remonter là. Elle a toujours eu le cœur sur la main, ça oui. Oui. Ouais, ouais, elle veut surtout sauver sa mère. Elle, elle y est pour rien. Mais elle va se faire déchiqueter, Anna. Clairement. Bon, il m'énerve là, le baron, il est trop lent! Avance, gros patapouf! Avance! Merde. Est-ce que si j'y vais sans eux, ça va me la compter quand même? Ah, évidemment! Hop, hop, hop. Calmez-vous. Mais il est trop lent par rapport à Siri, mon dieu! Ah bah ouais, eux ils se font attaquer du coup. Aidez-moi. Ah, ils sont morts. Il y en a qui sont morts. Par des noyeurs? Vous êtes sérieux là de mourir par des noyeurs, les gars? Faut pas déconner, vous allez vous faire... Les morts, elles vont vous faire tout boucher. Je peux pas ramasser son équipement à lui. J'avais pas vu autant de bestioles. Ouais, ouais. Mais lui, il est mort, là. Non, c'est pas le cerveau, moi, que je... Non, je peux pas ramasser. Bon, bah, avancez, vous. Ah, la fumée! Ah! Non! Je meurs! Non, je meurs pas du tout.
Oh vas-y, ils m'ont gavé, ils sont trop lents là. Évidemment, encore des noyeurs. Non, pas eux. Ah, what? Je vois plus rien. Je vois plus rien, au secours. C'est elle là. Ok. Brûlez. Aïe 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 aïe. Oh, je me fais défoncer. Ok, très bien. Il est là, Quen. Nous aussi, on nous sommes nombreux. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah ah, je me fais défoncer, je me fais défoncer. What? What? J'ai rien pu faire. Ah, il y avait un arbre, d'accord, on ne voyait pas l'arbre. Ok, très bien. Et on se retrouve avec les hommes du baron qui m'accompagnent à nouveau. Vas-y, on court. Ils vont me rattraper. Hein. Ouais, ouais, moi je passe à travers, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et les hommes du baron sont directement là. Comme ça, ça va plus vite. J'ai évité une zone de monstres et... Quoi, je me fais déjà attaquer? Qu'est-ce que tu fais, toi? Wow, calme-toi. Calme-toi, nous sommes chez les moires et il y a des noyeurs. C'est pas normal. Ils sont où, les gosses? Et Anna, elle est où? Voilà. Ah, niveau 11, cool. Du coup... Maintenant qu'on a tué tout ça... Sorceleur, ah bah elle est là, d'accord, c'est elle en fait, c'est pas son père. Combien père, Bettine? Vous n'avez rien à craindre. Vos nouveaux amis vous accompagnent. Bah, je sais pas encore, j'aimerais bien savoir d'ailleurs. Le feu éternel me protège. Vous n'avez rien à craindre de moi. Tamara, ma fille chérie. Enfin je te retrouve. Viens. Ah, les retrouvailles. Ne m'approche pas. Je suis venu. Waouh, génial. Contrairement à toi, je refuse de la voir croupir dans ce marais. Et que diable crois-tu que je fasse ici? Je suis venu la ramener à la maison. Oh, il n'en est pas question. Tu ne la toucheras pas. Plus jamais. J'y veillerai. Je comprends que tu m'en veuilles. Je n'ai été ni un père, ni un mari idéal. J'en suis conscient. Mais j'ai changé. Demande aux autres. Gérald. Je me mêle pas à tout ça, moi j'y suis pour rien. Bon, vas-y, votre allez. Père tient à retrouver ça. S'il arrête de boire, ouais, ça me va. Il y tient vraiment. Vous êtes bien payé pour jouer les Benny Wiwi? J'en sais rien, je veux savoir, dites-moi. Et véhémence ne mène qu'à la déchéance. Qui c'est celui-là, bordel? Et vous, qui êtes-vous? Ah, le chasseur de sorcières. Cet homme est mon commandant. Et cela ne regarde nullement les pourceaux ivrognes. Tamara. Waouh. D'abord, pour qu'il torture et pende ton propre père, peut-être? Tu n'es pas mon père, et je me moque bien de ton sort. Allez, pime dans ta gueule. Je vous rappelle que nous sommes venus pour une raison précise. Tuer les moires. Sorceleur, nous aiderez-vous? Oh, il y a carrément une armée pour tuer les moires. J'ai perdu 5 hommes. Et je ne sais pas trop ce qui nous attend dans ce lieu maudit. Attends, je sais, moi je sais. Peuvent revenir à tout moment. Comment savez-vous qu'elles ne sont pas déjà là? Parce que nous sommes encore vivants. Fouillez le village. Oh, merde. Ça veut dire qu'elles sont vraiment fortes. Hein. Après, c'est niveau 9, donc je devrais y arriver. Lui là, le mousquetaire, il a l'air bon. Les mecs ils sont déçus, il a mis toute sa rage dans le défonçage de porte. Ouais, il était chauve pendant un moment.
What the fuck? Non. La déception d'un père. Par ici. Je sais comment l'invoquer. Je l'ai déjà vu faire. What the fuck? C'est une mémoire ça? Non. C'est quoi ce truc? C'est pas sa mère? Arrête. Elle l'a transformé. Oh non. Oh non. Oh, je suis deg. Donc c'est les moires qui les transforment en ces choses horribles là. Allez, il y a peut-être un rituel. Ça fait pas. Ou alors on la bute. Mère? Oh. Elle va nous attaquer. C'est... Tu es là. Ouais, peut-être, allez. On s'en fout, tu es là. Sorceleur, faites quelque chose. Ah, s'il faut, le baron, elle lui plaît comme ça. Qu'est-ce que t'en sais? Ah oui, bah c'est clairement elle. Quelque chose approche. Tenez-vous prêt. Qu'est-ce que c'était? Les loups. Ça ne ressemblait pas. Et elle, Parce que ce n'en était pas. Elle nous attaque pas? Tenez-vous prêt. Préparez-vous au combat. Ok, ok, les moires, je les entends. Ouais, ça arrive de partout, ça arrive de partout. Ouais, j'aime bien le photo-feu, moi, ça me va. Bon, on sait plus. Allez, hop là, plus de tête là. Merde, c'était... Comment ça, c'était sa mère? Non. Le mec, il s'est gouré, tu sais. Il a tué le mauvais. Mais poussez-vous, laissez-moi les tuer. Les gars, ils me gênent plus qu'autre chose. Mais vous faites pas de dégâts, là. What the fuck? Ok, bah, on s'occupera de ça au prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Ce fut un plaisir de jouer pour vous. Ouais.